ça, c'est... Ce sont les montagnes d'ordure au quartier Gbesha, Cité de l'Air, entre Cité de l'Air et Koloma. Et voilà, comme tout ce que vous voyez là, ça sont les ordures emportées par les gens de Koloma et les gens du quartier de Cité de l'Air. Tout ce qu'on peut craindre, parce que là, il peut y avoir des déraillements du train. Parce que là, maintenant, à partir de maintenant, là, les gens du quartier ont commencé à jeter les ordures même entre les rails. Là, comme vous le voyez déjà sur l'image, regardez très bien, ça c'est la montagne d'ordure, ça. C'est en pleine capitale, en pleine ville de la capitale, en plein quartier. Et comme vous le voyez, c'est pas fini parce que là, je vais monter jusqu'au niveau des rails. Entre les rails, vous allez voir, ça c'est la montagne d'ordure, ça. Au nom de Dieu, regardez tout ça. Regardez tout ça. Regardez. Ouais. Comme, au nom de Dieu, comme vous le voyez, ouais. Regardez cet homme-là qui est là. Ce bon matin, il est venu jeter les ordures. Et oui, il a raison parce qu'il n'y a pas où jeter les ordures. Et c'est du n'importe quoi. Vous le voyez déjà. Et quand je l'ai capturé, il a fui. Regardez. Ça, c'est la capitale de Conakry, ça. Ça, c'est quelques quartiers de la capitale de Conakry. Regardez. Regardez. Tu ne peux pas y croire. Regardez. On a su maintenant parce que là, au niveau de rail, tous ces ordures, dans les quartiers que j'ai pris comme ça en image, ils ont ces deux quartiers qui jettent ces ordures ici. Les gens de Koloma qui sont de l'autre côté des rails, et les gens de la cité qui sont aussi de l'autre côté de la commune Matoto,
Regardez bien, même au niveau des rails, ils ont maintenant commencé même à jeter les ordures entre les rails. Là, les gens de la Chebeka n'ont qu'à prendre de ces dispositions. Parce qu'en fait, ils vont avoir peur parce que là, c'est à cause des rails moniteurs. Parce qu'une fois que les rails sont complètement masqués par les ordures, ils vont avoir des déraillements. Parce que regardez comme vous le voyez. Regardez. Au nom de Dieu. Regardez tout ça. Ah. Regardez. Vous avez vu ce quartier-là. Alors, ce sont les habitants de ce quartier-là qui jettent des ordures ici. Ces deux quartiers qui habitaient au niveau des rails ici, des ordures. Mais tant qu'on n'a pas une société qui peut transformer les ordures en déchets, ça ne pourra pas aller parce que... Regardez, oh mon Dieu. Regardez. On va même pas maintenant. On va plus maintenant les rails. Ce sont ces deux quartiers-là qui se rejettent la responsabilité. Les autres disent que c'est les gens d'ici. Et les autres aussi disent que c'est les gens de l'autre côté. Mais en 90%, ce sont les gens qui sont derrière les rails qui jettent le sortir ici. Et comme vous le voyez, le rail est complètement caché. Caché. Là, on craint maintenant pour le déraillement du train. Regardez. On ne voit plus maintenant les rails. Regardez. Au nom de Dieu, regardez. Regardez. Il y a une dame qui a jeté des ordures. Ouais.